C'est très, très différent de réagir à l'illustration qui nous est imposée ou proposée, mais c'est très agréable aussi parce que c'est un beau défi à relever. Et puis, je l'avais fait pour Oli le champion, je m'étais beaucoup, beaucoup amusé. Et puis, pour Clovis et les monstres, ben, le plaisir a était encore au rendez-vous. Alors, c'était de bâtir une histoire à partir d'une illustration de Clovis qui met le pied sur un monstre mécanique, visiblement, et qui a un habit de super-héros. Donc, ça a été très, très... Puis, j'aime beaucoup les super-héros. Donc, ça a été très, très facile à faire. Ben, en fait, les véritables héros là-dedans, c'est Clovis et sa petite sœur. Ce n'est pas nécessairement les monstres. Les monstres font figure de menace dans l'histoire. Et ben Clovis devient super Clovis pour sauver sa petite sœur qui est aux prises avec les monstres. Mais des fois, il ne faut pas toujours se fier aux apparences et c'est exactement ce qui se passe avec super Clovis et les monstres.